Il était très attendu. Aujourd'hui, tous les yeux étaient rivés vers l'Assemblée nationale où Michel Barnier a prononcé son discours de politique générale. Un discours scruté aussi par les élus insulaires qui espéraient que la Corse soit mentionnée. Elle a été en réalité évoquée en une seule phrase. Alors que faut-il retenir de ces déclarations? On voit cela avec Pierrick Nanini. Il aura fallu attendre une petite trentaine de minutes avant que Michel Barnier ne fasse référence à la Corse. Une mention timide, extrêmement brève et sans passage spécifique, puisqu'englobée dans un propos visant l'ensemble des collectivités locales. 40 ans après les grandes lois de décentralisation, il nous faut bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Nous respecterons les compétences de ces collectivités et nous regarderons les possibilités de les augmenter et de les renforcer. C'est dans cet esprit en particulier que le ministre du partenariat avec les territoires et la décentralisation reprendra le dialogue avec les élus et les responsables socio-économiques, notamment de la collectivité de Corse. Sans la nommer, la phrase fait référence à la fonction occupée par Catherine Vautrin. Va-t-elle récupérer le dossier Corse? On semble s'y diriger. Si le projet de discussion sur l'autonomie n'est pas enterré, difficile d'y voir non plus un excellent présage. C'est le sentiment des députés nationalistes. On reste un peu sur notre faim, on aurait voulu en savoir un petit peu plus. Bon, il semblerait qu'on se dirige vers une reprise en main du dossier par Mme Vautrin, plutôt que côté du ministère de l'Intérieur, ça aurait été une très très mauvaise chose. On attend encore quelques jours pour voir ce qu'il va y avoir de concrètement sur le papier. Quoi. Je veux dire, donc, on a été très loin dans les discussions, on ne peut pas repartir d'en dessous, c'est clair. On attend maintenant, après les paroles, on attend les actes. L'essentiel était d'abord que la porte soit entrouverte, que la collectivité de Corse soit mentionnée. Et l'autre aussi, c'était le fait que ce soit Mme Vautrin qui prenne les choses en main. Ça, c'est fait. Maintenant, il reste les modalités pratiques du réamorçage. Bon, il faudra qu'on sache un peu où on va. Comparativement, les départements et territoires d'outre-mer seront mentionnés plusieurs fois par le Premier ministre. Moins surprenant, un traitement particulier de plusieurs minutes sera même fait à la Nouvelle-Calédonie avec des annonces fortes. La simple évocation de l'accord satisfait François-Xavier Tchéco, les membres de la majorité, qui en attend plus désormais, non pas sur le côté institutionnel, mais financier. On ne sait pas encore à quelle sauce les Corses vont être mangées. Et moi, je parle bien sûr du volet financier, le rattrapage historique sur l'eau, la santé, le redémarrage de la commande publique. Vous voyez, il y a plein de choses que nous, on attend de manière importante. Par exemple, on sait que le groupe parlementaire qui était là pour la Nouvelle-Calédonie a demandé 4,2 milliards sur 5 ans. Vous voyez, c'est ce genre d'annonce un peu forte que nous attendons. Annonce et attente financière aussi pour Laurent Marcangeli qui se réjouit à la tribune de la mention faite par Michel Barnier. Que nous souhaitons apporter aux préoccupations. Il y a un enjeu institutionnel, des discussions qui doivent se poursuivre. Je me réjouis que mon amie Catherine Vautrin soit notre partenaire dans le cadre de ces discussions. Mais il y a également un enjeu économique et social propre aux îles. La Corse sera mentionnée une troisième fois au perchoir par le président du groupe Lyotte qui parlera, je cite, de la reprise du processus de Beauvau comme une attente majeure pour le peuple corse.